c'était Hazek et à Kolam Shimtsaim et à nous, Hazek Otam. Alors, le Rav dit qu'il veut renforcer tous ceux qui se trouvent avec nous maintenant, en particulier. Ceux qui étaient, ceux qui sont en Israël, c'était un peu difficile pour eux de le Yom Kippour. Et il faut se renforcer que tout est pour le bien, même si c'est difficile. Il faut se renforcer dans la joie. Caché. C'est ma chamaïm, c'est caché. Quand c'est difficile, c'est du ciel que c'est difficile. Moi, j'ai habité dans le Mitzrayim. Comme c'était du temps de l'Égypte. Sham Israël azayu be Mitzrayim be begalut. Que le peuple d'Israël était aussi donc en exil. Ve akhibru atzal gotam. Et Hashem, il a voulu les délivrer. Maasa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agrandi le travail. Il a alourdi le travail. Alors, ils ont commencé à crier vers Hachem, délivre-nous. Et alors? Alors Hachem, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il faut savoir que c'est le premier Mashiach, le premier sauveur qu'il y a eu au monde. Alors il a envoyé Hachem, il a envoyé Moshe, et c'est lui qui a sauvé le peuple d'Israël. Mais maintenant que c'est dur pour nous, c'est Hachem qui fait que c'est dur pour nous, pour qu'on crie vers lui, pour que maintenant il nous envoie le Mashiach, le sauveur. Il faut savoir que le Mashiach, il est miséricordieux. Il est bon. Même ceux qui sont éloignés. Et même s'ils n'ont pas encore fait tshuva, qu'ils ne sont pas encore repentis. Il va leur faire tshuva. Et il va faire la guerre pour eux. Quand le Mashiach va se dévoiler, ça va être du bien que pour tout le monde. Les seuls qui auront des problèmes, ceux qui ne veulent pas accepter le Mashiach, qui ne veulent pas recevoir de lui, mais la majorité des gens qui veulent recevoir le Mashiach, qui veulent accepter, tout va bien se passer pour eux. Ah, c'est pourquoi chacun doit prier tout le temps, maître du monde, amène le Mashiach. Et pas simplement ça, pour chaque mitzvah qu'on fait, de dire que par le mérite de cette mitzvah que je fais maintenant, que ça amène le Mashiach, que ça participe à l'avenue du Mashiach. Quelqu'un qui dit les télim, dit que c'est par ce mérite-là, B'zrat Hashem, que ça amène le Mashiach. Tu fais la prière de Shacharit, t'as dit que B'zrat Hashem, par ce mérite-là, que le Mashiach y vienne. On dit maintenant, B'zrat Hashem, que par le mérite de ce cours-là qui va y avoir maintenant, le Mashiach il se dévoile. B'zrat Hashem.